un contenido de ejercicio puede ser un factor decisivo el desarrollo de adicciones de identidad remarcable. Va a poner el ejercicio 9 y 10. Now as I see developer it will. Now A. And I think X more as in this set that will occur. See on develop. Donc 5x moins racine de 7 tout au carré, deuxième identité remarquable, le carré de 5x sur 25x carré, 2 fois 5x moins racine de 7 égale moins 10 racine de 7x, racine de 7 au carré c'est 7, x racine de 7 moins 3 fois x racine de 7 plus 3, troisième identité remarquable, a carré moins b carré, a est égal à x racine de 7 et b est égal à 3, x racine de 7 tout au carré c'est 7, x carré 3 au carré c'est 9. X racine 3 plus 2 le tout au carré. Première identité remarquable plus B au carré A est égal à X racine 3 et B est égal à 2. X racine 3 le tout au carré c'est 3X carré 2 fois 2. 4 fois X racine 3. Donc 4X racine 3. Et 2 au carré c'est 4. On enlève les parenthèses. On simplifie. On réduit. On a 5X carré. Moins 7x carré plus 3x carré, c'est 21x carré. Et moins 10 racine de 7 fois x plus 4 racine de 3 fois x. Je factorise par x. Je trouve à 4 plus 4 racine de 3 moins 10 racine de 7x plus 7 plus 9 plus 4 est égal à 20. On développe et réduire. On voit, on a ici deux termes, on voit que x moins 3 racine de 7 plus x, facteur de x racine moins racine 3, racine 3 moins x, c'est une identité remarquable. La troisième identité avec a est égale à x moins racine moins 3, facteur de racine de 3, et b est égal à x. Donc, x moins racine moins 3 racine 3 tout au carré, moins x carré a carré moins b carré. Et je développe 2x plus 3 le tout au carré. Première identité remarquable avec a est égal à 2x et b est égal à 3. 2x le tout au carré c'est 4x carré. 2 fois 2, 4 fois x c'est 2x plus 3 au carré c'est 9. On a x moins 3 fois racine 3 le tout au carré, c'est qu'on a a fois b le tout au carré, c'est-à-dire a carré fois b carré. Donc x moins racine 3 au carré fois racine 3, je dis x moins 3 le tout au carré fois racine 3 le tout au carré. Donc je calcule x moins 3 le tout au carré, deuxième identité remarquable, x moins 3 le tout au carré avec a moins b au carré avec a est égal à x et b est égal à 3. Donc x carré moins 2 fois x fois 3 c'est moins 6x plus 3 au carré c'est 9 et racine 3 au carré c'est 3. Donc à chaque fois ici je calcule ce qui est entre crochets. Donc je développe encore ce qui est entre crochets. X carré fois 3 c'est 3x carré moins 6x fois 3 c'est moins 18x et 9 fois 3 c'est 27. Moins x carré, moins x carré moins 4x carré plus 2x plus 9, ça ne change pas. J'enlève les parenthèses et les crochets. Voilà. Et je simplifie. 3x carré moins x carré moins 4x carré c'est moins 10x carré. Et moins 18x moins 2x c'est moins 30x. 27 moins 9 c'est 18. C. On a a plus b plus c au carré, donc je fixe 5x moins 3, c'est comme on a la première identité remarquable, a plus b carré, avec a est égal à 5x moins 3, et b est égal à ax, ils sont 5. Donc a carré, c'est 5x moins 3 tout au carré, plus 2
cosin x moins 3 fois x puissance 5 plus x puissance 5 tout au carré. Et c'est x moins 3 au carré, une deuxième identité remarquable. A moins b carré avec a égale à 5x, b égale à 3. Donc 5x tout au carré, c'est 25x carré. Moins 2 fois 5x fois 3, c'est 30x. Et 3 au carré, c'est 9. Je développe ici 2x puissance 5 fois 5x, c'est égal à 10x puissance 6. Et 2x puissance 5 fois moins 3, c'est moins 6x puissance 5. Plus x puissance 5 fois 2, c'est x puissance 10. Ici, j'ai changé la place des termes. Sera le plus grand exposant de x. Ici, j'ai a plus b plus c plus t root au carré. Donc, je laisse c comme j'ai a moins b root au carré. Avec a est égal à x puissance 3 plus x carré et b est égal à x moins 1. X moins 1. Donc, le carré du premier terme, c'est-à-dire x puissance 3 plus x carré root au carré plus le double produit 2 fois x au cube plus x carré fois x moins 1. Plus le carré du deuxième terme, x moins 1 au carré. Donc je développe x puissance 3 plus x au carré au carré, première identité remarquable. Carré de x au cube, c'est x puissance 3 fois 2x puissance 6. Et 2 fois x au cube fois x carré, c'est 2x puissance 5, x carré au carré, x puissance 4. Ici moins. Donc 2, je multiplie moins 2 avec 2 avec 2 par x au cube plus x carré. Donc 2x au cube plus x carré. Je laisse x moins 1. Et x moins 1 tout au carré. Deuxième étape remarquable, x carré moins 2x plus 1. Donc x puissance 6 plus 2x 5 plus x puissance 4. Et je développe ici, deuxième terme, moins 2x au cube fois x, c'est 2x puissance 4. 2x au cube fois moins 1, c'est moins 2x au cube. 2x carré fois x, c'est plus 2x au cube, moins 2x carré. Plus x carré moins 2x plus 1. J'ai une nouvelle parenthèse. Je calcule ce qu'il y a entre parenthèses. On a ici, on a 2x puissance 4 moins 2x au cube plus 2x au cube moins 2x carré. Il simplifie 2x au cube plus 2x au cube est égal à 0. J'enlève les parenthèses. Et je réduis. Non. Ce que je peux réduire, c'est x puissance 4 moins 2, et donc x puissance 6 plus 2x puissance 5. Et x puissance 4 moins 2x puissance 4 est égal à moins x puissance 4. 2x carré plus x carré, c'est 3x carré, donc moins 2x plus 1. On a un calcul numérique. A moins b carré avec a est égal à x racine de 5 moins 3 au carré, ce qui est en rouge. Et racine de 5 plus 4 au carré, donc ce qui est en bleu. Donc, la première identité remarquable, et là, la troisième identité remarquable, racine de 3 plus 5, facteur racine de 3 moins 5. Donc, je calcule racine de 5 au carré, moins le 2 fois racine de 5 fois 3, plus 3 au carré. Deuxième identité, donc racine de 5 au carré, plus 2 fois racine de 5, plus 4, plus 4 au carré. Et là, a plus b, facteur a moins b, racine de 3 au carré, moins 5 au carré. Donc, racine de 5 carré, c'est 5, plus 2, moins 6, racine de 5, 3 au carré, c'est 9. Racine de 5 carré, c'est 5, et 8, racine de 5, plus 16, moins 3, plus 25, j'ai enlevé les parenthèses en changeant les signes. Là, et je simplifie. 5 plus 9 plus 5 plus 16 moins 3, c'est 56. Moins 6 racine de 5 plus 8 racine de 5. C'est 2 racine de 5. La factorisation. Si
Si je factorise par moins 2, je divise donc moins 2x puissance 4 par moins 2, je trouve x puissance 4, et 28 x carré divisé par moins 2, c'est moins 14 x carré, moins 98 divisé par moins 2, c'est 49. Et je regarde, moins 2 x puissance 4, c'est comme j'ai x carré au carré, moins 2 fois 7 fois x carré plus 7 au carré. La deuxième identité remarquable. Donc moins 2 facteur de x, donc a moins b carré avec a est égal à x carré, b est égal à 7. Donc moins 2 facteur de x carré moins 7 tout au carré. Et x carré moins 7, c'est une identité remarquable. C'est comme j'ai x carré moins racine de 7 tout au carré. On retrouve moins 2 facteur de x moins racine de 7 facteur de x plus racine de 7, bien sûr, tout au carré. Et x moins racine de 7 facteur de x plus racine de 7 au carré. C'est comme j'ai a fois b tout au carré. Donc a carré fois b carré. À la fin, je trouve moins 2 facteur de x moins racine de 7 au carré, facteur de x plus racine de 7 au carré. Ici, factorisation par partie, on a b, donc x carré plus 2x racine 3 plus 3, c'est l'identité remarquable. Et deuxième terme, j'ai racine 3x plus 3, c'est comme j'ai racine 3 au carré. Donc pour b, donc x carré plus 2x racine 3 plus 3, identité remarquable. A plus b carré avec a est égal à x et b est égal à racine 3. Donc x plus racine 3 tout au carré. Donc moins 2 facteur moins 2x fois et racine 3x plus 3, c'est comme j'ai racine 3x plus racine 3 tout au carré, je factorise par racine de 3. Je vois qu'il y a un facteur commun, c'est x plus racine 3. Je factorise par x plus racine 3. Et je calcule ce qui est entre crochets. Je simplifie ce qui est entre crochets. On a entre enfin x plus racine 3 facteur et x plus racine 3 moins 9 racine 3, c'est moins 8 racine 3. X plus 2 racine 3x, c'est comme j'ai 2 racine 3 plus 1 entre parenthèses facteur de x. Donc c'est factorisation par partie, 2x carré moins 3, c'est comme j'ai a carré moins b carré avec a égale racine de 2x et b égale racine de 3. Donc racine 3x au carré moins racine 3 au carré, donc racine de 2x moins racine 3, facteur racine de x plus racine 3. Je vois qu'il y a un facteur en commun, c'est racine de x moins racine 3, je factorise par racine de x moins racine 3. Voilà. Trouve enfin racine de x, c'est égal à racine de x moins racine 3, facteur racine carré de 2x plus racine carré de 3 moins 5. Là, je vois qu'il y a un facteur commun, c'est moins 3a. Je divise le tout par moins 3a. Donc, moins 3a au cube, x carré divisé par moins 3a, c'est a carré x carré. Moins 6 a carré x divisé par moins 3a, c'est 2ax plus moins 3a divisé par moins 3a, c'est 1. Et a carré fois x carré plus 2ax plus 1, c'est une identité remarquable. Donc je trouve enfin moins 3a facteur de x plus 1, le tout au carré. Il n'y a pas de facteur commun. Par partie, non. Donc là je développe x carré fois 9 x carré c'est 9 x puissance 4 moins et x carré fois moins 6 c'est moins 6 x carré plus 1 c'est l'identité remarquable. La deuxième là, avec a est égal à 3 x carré et b est égal à 1, donc a est égal à 3 x carré moins 0 tout au carré et 3 x carré moins 0 tout au carré, c'est comme j'ai la troisième identité remarquable. A carré moins b carré avec a est égal à racine 3x et b est égal à 1. Donc racine 3x carré moins z égale racine 3x moins z facteur de 10 plus 1 le tout au carré. Donc c'est comme j'ai encore a fois b le tout au carré. A fois b le tout au carré est égal à a carré fois b carré avec a est égal à racine 3x moins z, b est égal à racine 3x plus 1. Donc
radical sin trouver x moins 1, facteur radical de trouver x plus 1, le tout au carré. F, je factorise par partie, je vois que x carré moins x plus 1 demi, c'est une identité remarquable. X moins 1 demi, le tout au carré. Et j'ai moins 6 facteur de 1 demi moins x, je change la place des termes, de moins x plus 1 demi, et je fais introduire moins à l'intérieur, donc il reste plus 6 facteur de x moins 1 demi. Je vois qu'il y a un facteur en commun, c'est x moins 1 demi. Je factorise par x moins 1 demi et je calcule ce qui est entre crochets. On trouve enfin f est égal à x moins 1 demi facteur de x plus 11 demi. Là de même, il n'y a pas de facteur commun, je développe. En développement, je simplifie et je trouve un facteur commun maintenant, c'est 3x. Je factorise par 3x et je trouve g est égal à 3x facteur de x moins 4. La factorise h. H, attention ici, on ne doit pas penser à a carré moins b carré car il y a ici 36x carré moins 4 deuxième degré, il y a x au carré. Donc je commence par factoriser d'abord 36x carré moins 4 et 9x carré moins 6x plus 1. 36x carré moins 4, je factorise par 4. Et 9x carré moins 6x plus 1, c'est une identité remarquable, c'est 3x moins 1, le tout au carré. Là, 4 fois 9x carré moins 1, le tout au carré, c'est comme g a fois b au carré, avec a est égal à 4 et b est égal à 9x carré moins 1. En même temps, je factorise 9x carré moins 1, c'est 3x moins 1, 3x plus 1. Ici, 3x moins 1 au carré, le tout au carré, c'est comme g 3x moins 1, le tout puissance 4, 2 fois 2, c'est 4. Là, 4 carré, c'est 16. 3x moins 1 fois 3x plus 1, le tout au carré. C'est 3x moins 1 au carré fois 3x plus 1 au carré. 3x moins 1 puissance 4, c'est comme le 3x moins 1 au carré fois 3x moins 1 au carré. Il y a un facteur commun, c'est 3x moins 1 au carré. Je factorise par 3x moins 1 au carré. H. Et je vois ce qui est entre crochets, c'est la troisième identité remarquable. Donc, je pense à factoriser ce qui est entre crochets. 3x moins 1 au carré, 4 facteur 3x plus 1 au carré. Donc 3x moins 1 au carré, ce qui est entre crochets, 2x plus 4 au carré, moins 3x plus 1 au carré, c'est comme j'ai a carré moins b carré, avec a est égal à 2x moins 4 et b est égal à 3x moins 1. Donc je factorise a moins b facteur de a plus b. 2x plus 4 moins, en parenthèse, 3x moins 1, facteur 2x plus 4 plus 3x moins 1. Je calcule ce qui est entre crochets. Je simplifie ce qui est entre crochets. Et je vois, et donc je trouve h égale 3x moins 1 au carré, facteur 9x plus 1, facteur 15x plus 3. Et 15x plus 3, je peux factoriser par 3. Donc je trouve enfin 3 facteur 3x moins 1 au carré, facteur 9x plus 5. 5x plus 1. Merci de votre attention.